Devant des élèves admirateurs, El Hadj Malik Samb étale tout son savoir-faire. Ce passionné des arts martiaux ne se fixe pas de limites. Samba Mbaye Mbaye Diop, à Louga, il est karatéka. Mon grand-père, Mbaye Mbaye Diop, tenait son dojo à Louga. C'est lui qui m'a appris le karaté. J'ai participé aux championnats d'Afrique en 2005 qui ont eu lieu au Sénégal. J'ai eu également beaucoup de diplômes lors des grands événements. Et diplômes, participation au niveau des arts martiaux. Unijambiste depuis plus de 12 ans, ce karatéka avait pourtant des ambitions. En 2003, un conducteur brise ses rêves. Je suis imprimeur laborantin. Avant l'accident. L'accident, c'était la nuit, le vendredi. Je suis imprimeur laborantin de formation. D'ailleurs, l'accident a eu lieu le vendredi 17 janvier 2003. Un véhicule m'a percuté la nuit. C'était vraiment difficile. Une double fracture suivie de deux amputations. C'était atroce. Une page sombre de mon existence. J'ai amputé deux fois. Dante amputé nanko jarolion madame seto ñu amputé wat ko. Après l'accident, El Hadj commence une deuxième vie. Courage en bandoulière, il fait face à son destin. Yalla bindino ko ci aras. C'est le destin. Dieu en a ainsi décidé. Heureusement, j'ai survécu. Joxma teñ bu mako yalon oef na tol. Appelé affectueusement Sensei, le maître des lieux est défini comme une personne intègre, père pour certains, ami et frère pour d'autres. Mes deux enfants sont là, ma femme aussi. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Elle est si bien éduquée qu'elle reste digne dans l'épreuve. Jamais elle ne m'a abandonné. El Hadj est un homme véridique et rien ne peut le changer. Il est généreux dans tout ce qu'il fait. Ses outils de travail, il les connaît sur le bout des doigts, bien dans sa peau. Ce troisième dan force l'admiration, son rêve, avoir sa prothèse.